Tu viens de faire perdre une excellente cliente. Oh là là, je suis vraiment désolée, je n'ai jamais eu l'intention. Ça suffit. Veuillez accepter mes excuses les plus sincères concernant ce malentendu. Et puis-je me permettre d'ajouter que vous avez un ravissant petit commerce. Tu as raison, Applejack. Les recherches continuent. Excusez-moi, je me demandais si... quelqu'un a un problème d'amitié? On nous a envoyé ici pour... une carte nous a appelés. Si vous pouviez vous arrêter une seconde. Conseil d'amitié. Qui souhaite recevoir des conseils sur l'amitié? Nom d'une crinière, ça ne marche pas. Oh, je ne sais pas trop ce que nous sommes censés faire. Pour être honnête, je ne sais même pas pourquoi la carte m'a appelé. Oh, ne te fais pas tant de soucis, Applejack. La carte nous a choisis pour une bonne raison. Mais je ne sais pas du tout comment nous sommes censés découvrir cette raison. On ne peut quand même pas aborder chacun des poneys de cette ville pour découvrir ce que nous sommes venus faire ici. Aidez-nous à restaurer notre tradition bien-aimée et depuis longtemps perdue, le festival théâtral du solstice d'été. Avec un spectacle exceptionnel de la troupe des Pouliches Dégourdies, des jeux, des bonnes choses à manger et bien d'autres choses encore. Cet événement devrait ramener l'harmonie dans notre chère communauté de Krooplyn. Mais il y a tant de choses à faire, nous avons besoin de votre aide. Applejack, nous avons trouvé! Le contact du prospectus est Coco Pommel! Oh, mais oui! Je me souviens, c'est à elle que tu as procuré un travail de costumière chez ton ami styliste. Tu comprends maintenant. Voilà pourquoi la carte nous a appelés ici. Et toi qui te faisais tant de soucis. En tout cas, ça vaut la peine qu'on examine ça de plus près. Enfin, si nous arrivons à nous éloigner de ce coin de rue... Vous avez trouvé mon prospectus, c'est incroyable. Quelle coïncidence, vous ne trouvez pas? Nous avons été appelés ici, Applejack et moi, pour rendre un service. Et toi, ma très chère amie, tu as besoin d'aide. Ce n'est pas une coïncidence, chérie, c'est le destin. Ce festival de théâtre du solstice d'été, c'est quoi exactement? Une représentation théâtrale qui a lieu dans le parc. Il y a bien des lunes, des troupes locales assuraient le spectacle. Et tous les poneys du quartier aidaient à réaliser les costumes, les accessoires et les décors. Ils préparaient de bonnes choses à manger pour le soir de la représentation. Oui, on voit qu'ils passaient un bon moment ensemble. Tiens, ça me rappelle Poneyville. Ça a l'air fantastique, chérie. Ça l'était, mais cela a changé il y a quelques lunes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Charity Kindheart. C'était une costumière extrêmement célèbre de Bridway. Elle a fondé le festival du théâtre du solstice d'été pour partager sa passion du théâtre avec les gens de son quartier. Mais même si elle était toujours très occupée, elle arrivait à trouver du temps pour le festival. Seulement, quand elle a déménagé pour être plus proche de ses petits-enfants, le quartier n'a pas perpétué cette belle tradition. Pire encore, la discorde s'est installée dans le voisinage. Attention où tu poses tes sabots! Personne ne s'est proposé pour remplacer Charity. Moi, j'ai essayé. Mais on vient de me demander de modifier les costumes que j'ai créés pour une comédie musicale. Et j'ai bien peur de ne pas avoir beaucoup avancé. Oh, il y a tant de choses à accomplir pour faire revivre le festival de théâtre et mes prospectus ne m'ont pas attiré un seul volontaire. N'en dis pas plus. Termine ton travail et demain, à cette heure-ci, tu seras submergé de poneys qui ne demanderont qu'à te donner un coup de patte. Nous allons nous en assurer, Applejack et moi. C'est vrai? Tu peux parier tes bottes là-dessus. Oh, je ne porte jamais de bottes. Ça me fait mal aux chevilles quand je trotte. C'est juste une expression. Vous comprenez? Les Pouliches Dégourdies ne sont disponibles que ce jour-là. Et nous avons besoin de toute l'aide possible pour tout préparer. Oui, mais là, ce n'est pas vraiment le bon moment. Et qu'est-ce que je raconte? Ce n'est jamais le bon moment. Alors, qu'est-ce que vous en dites? J'ai mes propres problèmes. Vous croyez que je peux me permettre de consacrer des heures à d'autres poneys? Ah, oui. Le festival du théâtre du solstice d'été de Charity, que de merveilleux souvenirs. Alors, vous allez nous aider? Enfin, voyons, ne soyez pas ridicule. Je dirige une énorme société d'import-export, de foin et d'avoine. Je n'ai vraiment pas de temps à perdre avec ce genre de choses. C'est un vrai cauchemar. Oh, mais pas du tout, ma chérie. C'est très charmant. Je crois qu'elle parlait du festival de théâtre du solstice d'été.
J'ai terminé tous les costumes de la comédie musicale, mais je n'ai pas encore commencé ceux du festival. Et les pouliches dégourdies viennent au parc demain pour répéter et essayer leurs costumes. Eh bien, pour les costumes, je pourrais t'aider. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour tout le reste? Le parc est très mal entretenu et le décor n'est pas encore construit. Moi, je me débrouille plutôt bien pour construire et réparer. Si tu veux, c'est un peu mon truc. C'est peut-être pour ça que la carte m'a appelée ici. Tu vois, chérie, nous avons cherché des volontaires alors que toute l'aide dont tu as besoin est ici. Ah ! La carte ne nous aurait pas choisi, Applejack et moi, si nous ne pouvions pas nous débrouiller toutes seules. Tout va marcher comme sur des roulettes. J'ai peut-être parlé trop vite. Oh, chérie, tu as raison. Tu es sûre que tu vas pouvoir te débrouiller toute seule? Eh bien, il y a beaucoup à faire. Mais Rarity a raison. La carte ne nous aurait pas appelé si nous n'étions pas de taille. Occupez-vous des costumes toutes les deux et on se retrouve pour la répétition.